à tous, aujourd'hui nouveau tuto avec Sebi le campeur. Donc aujourd'hui pas de carbonara, d'accord. Voilà. Avec le petit réchaud Décathlon, je vous conseille très bien. Gaz, nickel, archi sécure, la bonbonne de gaz elle est cachée, on la voit pas. Voilà, petite bouteille de rosé, rosé piscine. À la vôtre. Et à bientôt. Toi frère. Tu fais quoi mon caillou? Ah bah là on va nettoyer, on pote la vaisselle. On va prendre une petite, on peut dire un bain de germe. Un bain mini dans cette petite rivière. Qui est une grosse rivière qui s'appelle la Loire. Dans la Loire, on va se baigner dans la Loire. C'est beau ça. Petit arrêt. Pique-nique. Je suis avec Peyo Cléo en direct sur un silure dans un petit canal. Voilà. On va te suivre. Silure probablement de plus d'un mètre. Il pêche en casting donc vous n'entendrez pas le bruit du moulin. Alors est-ce qu'on voit le pépère ou pas? Oh oui! Oui monsieur. On est sur un beau pépère. On est sur un 1,50 là je pense. 1,50? Ouais, 1 mètre. 1 mètre. Les gars, ta canne là, qu'est-ce que. Ouais, attends. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai le bras en compote, mec. Ah ouais? Je te jure. Oh là là, le mec il a des gros bras. Ah là, il fait 1,20 peut-être. Ah ouais, beau pépère. Ouais, il fait 1,20. Je pense qu'il fait 1,20. C'est le troisième silure qu'on fait en une demi-heure. Donc ce canal est bourré de silures. Oh, il est jaune, un peu jaune. Sympa ça.
Ah, c'est la pêche, ouais. Ça, mon pote. Ça faisait un poisson en une journée, putain, en road trip pêche l'été. Un poisson, une journée et une rafale depuis, mon pote. Et on est trempé jusqu'au cou. La tête en pied, qui paye. Et le pire, c'est qu'on n'a pas si mauvaise mine que ça sur la vidéo. Heureusement qu'on est bronzé. On a la bonne mine. Putain, le bronzage, ça cache la misère. On a plutôt bonne mine. Donc là, on fait quoi, chef? Là, on va en direction de C et là, on va pêcher l'arme. Puisque la Sarthe, pour l'instant, elle nous a pas du tout régalé. Elle nous a mis KO technique. Sarthe 1. Sarthe 3. Sarthe 3. La team 0. Ah ouais, mec. Compliqué. Bon, on se dirige dans le nord. Dans le nord de la France. Petite randonnée en forêt. Voilà le premier spot. La rivière qui donne sur le barrage de Rabodange. Comment tu le sens, mon papa? Bah là, en tout cas, c'est joli, donc j'espère que c'est prometteur. Après 4-5 jours très difficiles, est-ce que la pêche va redonner? Là, en tout cas, la rivière est très oxygénée. Ça devrait donner un peu quand même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas. Le poisson vient à vous. Alors, nous avons ici, sur le premier plan, rayé filet de perche. Regardez-moi ça. C'est bon, c'est frais. Et en deuxième plan, nous avons, vous voyez, avec les petits points rouges, là, orange, nous avons un filet de truite. Truite fario, sauvage, local. Local. Il y a combien de temps? C'était ce matin, sur les coups de 9h. 9h30. Et qui les a pêchés? La truite, c'est moi. Et les perches, c'est lui. C'est qui, lui? C'est lui, c'est Seb. C'est énorme, mec. Merci à DNF d'avoir réalisé une partie du montage. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez-vous, c'est comme ça qu'on reçoit de la force.